Putain, j'imaginais pas du tout comme ça, la prof. Et ça a duré combien de temps, le Covid? 3 ans? Attends, on est en quelle année, là? Les haleines de café. Les haleines. Toi, t'as oublié de te brosser les dents, non? Bah, moi, ça me change pas la vie, en soi, je le mettais pas vraiment. Bah, toi non plus. Pourquoi Gabriel, il garde le masque? Pourquoi il nous regarde comme ça, lui? Non, mais regarde, c'est sûr que Marie, elle aurait pas pêché au Julien s'il avait vu les 3/4 du temps sans masque. Hein. Buée, y a plus buée. Bah oui, y a plus de buée. Mais moi, j'avais pas de lunettes. Moi non plus. C'est quoi qui pue, là? Les écoles resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Non, je dégage. Bah du coup ça risque pas. Non mais avoue c'était pratique des fois genre. Ok on a retiré les masques mais bon ça va pas changer leur gueule de déterrer le matin. Mais je suis genre, je disais que le prof il ressemblait à un acteur mais là laisse tomber on est passé de James Bond à Monstre et compagnie. Hein. Oh putain la gueule. Toi t'es le premier à acheter le masque en fonction de ta tenue. Genre le Covid c'est fini genre. Non mais sérieux toi t'as plus ton masque t'as pris la grosse tête hein. Putain c'est chiant maintenant on peut plus parler à nouveau. Ah, arrête avec ça! Franchement, je crois que le plus beau fou rire de ma vie, c'était quand le prof il a retiré son masque. Putain, tu réalises qu'on n'a pas de masque? Bah oui. Ça fait bizarre, j'ai l'impression d'être nu. Mon stylo, il a une odeur. T'as un masque? Mon masque, il est cassé! Bah, fais un nœud. Tu trouves que ses yeux, genre, ils vont bien avec la forme du nez? Parce que non. Moi, je trouve qu'il a des joues, mais il a pas de fossette, donc ça va pas ensemble. Il y a des trous dans sa barbe. Mais il a pas de barbe. Mets ton masque. Ah, maintenant tu peux visser ça sur la gueule des gens. Ah oh ouais. Mais est-ce que toi aussi, quand t'avais le masque avec les oraux, genre t'arrivais pas à respirer bien? Tu faisais de l'asthme? Tu trouves pas, on dirait Grincheux. Un hibou. Non, Grincheux dans Blanche-Neige. Aussi, ouais. Je suis sûre, il y a plein de gens qui attendaient de me découvrir. T'es un peu trop proche, je te prends pas tes aises. Hein. Tu penses que le prof il nous trouve beau? C'est trop bien, genre j'aurais pu les oreilles décoller. Il y en a qui sont bien comme je l'imaginais, n'empêche. Il a des fossettes, genre c'est incroyable. Qui l'eût cru? Tu trouves pas que genre, quand fallait lire... Final Cut? Hein? Il est franchement, il est quand même mieux sans son masque qu'avec. Insupportable. Insupportable. Allez, je vais faire que de bouffer mon stylo à la fin de l'année, il est mort. Ah non, mais pitié, prenez pas de café. Tu penses que j'ai un avenir sans masque? Même avec, t'en as pas. Tu penses que j'ai plus de chances de pécho avec ou sans masque? Ok, je vais chercher mon masque. Moi, je préférais avec le masque. Il y avait plus de charisme, de charme, de mystère. Non mais tu devrais peut-être garder le masque toi par contre. Maintenant qu'il n'y a plus les masques, j'espère que les gens ils vont prendre la tête en mode c'est la Covid ou le Covid, on s'en bat les steaks. Comment il s'appelle l'oiseau dans le dessin animé là, tu sais? Les gens qui fument. Oh mec. Oh non. Il passe dans le couloir et là Luna elle me dit ouais il a trop du charme et tout, il a du charisme. Tu sais qu'on voit quand tu bailles maintenant. Oui, ça c'est ballot. T'as pas l'odorat? Je donnerais n'importe quoi pour revivre cette scène n'empêche. Moi je suis en fake. T'es fou toi? Oh putain on dirait un 7 nain lui. Ok. Pourquoi tu rigoles, ça c'est pas pour elle? Choquée, déçue. Hein. C'est là qu'on voit les gros fakes d'Instagram. Comme toi. Possible. Mais moi j'ai envie de garder le masque. Il a pas de menton, genre. Ah ouais, il est comme ça là. Bah non, mais je comprends pas. Mais tu trouves pas qu'il ressemble au hibou qui était pote avec le chien du renard dans le dessin animé que j'ai vu hier soir? Est-ce que toi aussi tu te rasais pas sous le masque? Bah j'avais pas de barbe. Oh, trop bien. Incroyable. On a plus les masques, hein, tu sais. Ouais, faut mettre du baume à lèvres. On nous disait quoi avant? Ouais, mettez le masque. Non, pincez-le, s'il vous plaît. Ah, ça va 2 minutes, hein. Ça me perturbe de fou, là. Genre, je t'imaginais pas du tout avec cette tête-là. Ah bon? Ouais. Tu penses qu'il y a un pourcentage plus... On peut enlever le masque, là, du coup, non? On en a pas. J'aime pas sa bouche. Putain, maintenant, c'est cramé quand on mange, du coup. Cramé? Non, mais cramé, genre, c'est cuit. Je trouve qu'elle a une grosse mâchoire. Bon, en tout cas, j'espère que j'aurai une peau plus belle. Hein. Je suis mieux avec ou sans masque? Toi? Ouais. Bah, sans, pourquoi? Ah, mais il est grave beau, genre. Ouais, non, en fait. 2018, on avait le masque? Mais n'importe quoi! 2020? Moi, j'étais moins stressée quand je devais passer à l'oral. Quand j'avais le masque. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils me rirent comme ça, les gens. Je devais. C'était 2020, Covid, non, on a le masque. Je devais ramasser les tournesols et j'ai pas voulu le faire parce que sinon, j'allais pas avoir mon bronzage. Ça manque trop le masque en vrai. Ça, je rigole. Mais elle, déjà qu'elle parlait fort là, elle parle encore plus fort. Je te jure. Il a pas la tête de son masque. Hein? Il a une tête chelou, hein. Elle a l'air un peu débile, hein, à garder son masque, non? Ah, mais le choc, il est trop énorme. Autant il y a des profs que j'imaginais comme ça, autant lui. Je comprends rien à son cours là, ça, c'est à cause du fait qu'on a plus de masque. Non, non, même sans, tu comprends rien. C'est pas gentil. Arrête de juger. Bah non, mais là, faut juger fort.